Hello tout le monde, c'est Dexter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une explication complète de toutes les intrigues et de tous les secrets de la dernière map Alpha Omega sur Black Ops 4. Avant toute chose, je tiens à préciser que la map possède une véritable mine d'informations. Il y a donc plusieurs vidéos destinées à l'histoire de la map, car il y a beaucoup à dire. Donc s'il manque des éléments dans cette vidéo, pas d'inquiétude, il y en a d'autres qui arrivent ou alors qui ont déjà été publiés. Aujourd'hui, Yuri Zavoïski sera au centre des attentions, plus connu sous l'appellation « le voleur du Pentagone ». Je précise que dans Alpha Omega, nous sommes dans un nouveau cycle, une nouvelle réalité alternative depuis Blood of the Dead, donc le sort tragique de Yuri, dans cette timeline, n'a peut-être pas lieu dans les autres réalités. À part cela, nous savons que dans les autres réalités alternatives, il a quand même existé, puisque si ce personnage est inconnu à vos yeux, vous l'avez sûrement déjà rencontré dans Black Ops 1 dans 5. Yuri est le voleur du Pentagone de 5, qui vous poursuivait dans les salles du Pentagone pour vous prendre vos armes et vous téléporter dans un endroit aléatoire. Dans Alpha Omega, nous en apprenons un peu plus sur ce qu'il est devenu. Yuri Zavoïski est étroitement lié à l'histoire du zombie. Il était scientifique et supervisait entre autres les expériences menées par le groupe soviétique d'Ascension, dont le projet Mercury, et assistait le scientifique Gersh, ce dernier étant à l'origine du fameux trou noir de Gersh. Peu à peu, Yuri est devenu fou et a commencé à entendre la voix d'une petite fille. Elle le fait sombrer dans une démence profonde, le hante et le persuade de commettre des actes terribles et irréparables. Sous les ordres de Samantha, Yuri s'est téléporté, depuis le site d'Ascension, au Pentagone dans 5. Suite à cela, les radios d'Alpha Omega nous apprennent qu'il a été capturé par les Américains et emmené dans le camp Edward pour être interrogé par le docteur Pernell. Mais à son arrivée, il devient évident que l'homme n'a plus toute sa tête et que la présence de Samantha dans son esprit lui a rongé son cerveau de l'intérieur. Je vous jure, je vous dis la vérité. Nous n'avons qu'effleuré la surface. La nuit du 6 novembre 1963, vous êtes entré dans le Pentagone. Comment ? J'en sais rien. Je suis apparu. Je fais ce qu'elle me dit. J'arrive d'un coup. Qui ça, elle ? La fille. La petite fille. Elle était dans ma tête depuis si longtemps. Comme une sorcière. Quelle était sa cible ? Pourquoi vous envoyer ? Je n'en sais rien. Vous mentez. Dites-moi qui était sa cible. Jean, prêt à tout pour l'arrêter. Elle m'envoie les empêcher. J'obéis. Je m'interpose et je prends l'arme. Dégagez de ma tête. Vous sans faire. Sortez de là. Je n'ai pas encore fini. Vous a-t-elle parlé de sa prochaine attaque ? Sa prochaine attaque ? Quelle est sa prochaine attaque ? Qu'est-ce qu'elle prépare ? Elle dit beaucoup, beaucoup de choses. Sur le passé, le présent, le futur. Oh, elle peut voir à travers le temps. C'est comme ça qu'elle se déplace. Elle me montre. Qu'est-ce qu'elle vous montre ? Qu'est-ce qu'elle vous montre, Yuri ? Elle me montre la lune. Et elle me montre cet endroit. Les bâtiments secrets du gouvernement. A-t-elle prévu de nous attaquer ? Pas avant longtemps. 50, 60 ans peut-être. Ça fera un gros boom. Puis, elle attaquera. Ne vous moquez pas de moi. Mais je ne me moque pas. Je vous dis juste ce qu'elle m'a dit. Elle me dit que vous serez là aussi, Cornel. Qui vous a demandé ? Arrêtez la session. Arrêtez tout. Dans cet enregistrement, Yuri est torturé à coups de décharges électriques. Pernell veut des réponses et il est prêt à tout pour en obtenir. Quelles étaient les intentions de Yuri en attaquant le Pentagone ? Pourquoi ? Qui l'envoie ? Toutes ces interrogations auxquelles le pauvre russe ne peut répondre. Yuri est un simple pion dans toute cette histoire. Samantha, à l'époque corrompue par les Terres Noires, le manipule et il affirme avoir suivi sous contrainte les instructions de la petite fille. Quand Pernell veut savoir quelle sera la prochaine cible de Samantha, Yuri répond une réponse étrange qui semble bouleverser le docteur Pernell. Samantha, la petite fille,
l'entité surnaturelle, peut voir à travers le temps. Elle peut prédire l'avenir. Elle parle de la Lune et de la Terre, et d'une explosion qui ravagera la planète dans une cinquantaine d'années. Mais l'enregistrement prend fin quand Yuri dit à Pernell que dans 50 ans, ce dernier sera présent aussi, qu'il sera là. Pernell s'agace fortement et coupe l'enregistreur. En effet, Yuri n'est pas censé connaître le nom de Pernell, et pourtant il le dit, car Samantha lui a montré le futur, et il a vu Pernell dedans. Il faut savoir qu'à ce moment précis, Pernell doit déjà avoir quelques idées en tête. Il doit déjà avoir commencé à travailler sur la PA, et être rongé par l'obsession de canaliser l'énergie de l'élément 115. Ses travaux sur les terres, ses trouvailles sur Agartha doivent déjà le fasciner, dans le mauvais sens. Donc, quand Yuri dit le nom de Pernell en disant que ce dernier sera présent dans 50 ans et sera lié de quelque manière que cela soit au futur, tout cela devant les yeux du docteur Hale qui assiste à l'interrogatoire, Pernell panique et entre dans une fureur folle. La séance se termine donc brusquement, mais quelques jours plus tard, les interrogatoires musclés reprennent et la torture continue. Qu'avez-vous vu d'autre, Yuri ? Qu'est-ce qu'elle vous a montré ? J'ai vu d'autres mondes, des univers, passé et futur. Là, tout ça n'a aucun sens, parce que toutes les voies sont empruntées. D'autres mondes ? Vous croyez que ce monde est le seul monde ? Il y en a des milliers. Et dans chacun, quatre hommes prisonniers. Qu'est-ce que ça veut dire, quatre prisonniers ? Quatre hommes en deux parties. Le début et la fin, premier et dernier. L'alpha et l'oméga. Primis et ultimis. Enfin, qu'est-ce qu'ils racontent ? Qui sont-ils, Yuri ? Leur nom, Yuri, quel est leur nom ? Pris au piège, je les vois. Ils sont tous prisonniers d'un cycle sans fin. Ils ont beau essayer, il n'y a pas d'issue. Le cycle reprend toujours. On l'appelle l'éther. Il dominait tous les autres mondes, jusqu'à ce qu'il en corrompe un. Et comme un virus, le fléau s'est répandu. Que savez-vous d'autre sur les terres ? Je sais ce qu'elle m'en a dit. Et ce que eux m'en disent. Qui, eux ? Les quatre hommes ? Non. Deux anges. Ils viennent me voir en songe. Ça doit être une sorte de femme. Yuri, qui sont les deux anges ? Ils arrivent au-delà de l'existence. Lors de cet interrogatoire, Yuri en dit plus, peut-être sous la pression de Pernell. Il parle de plusieurs univers, plusieurs mondes, que tout cela n'a aucun sens car toutes les voies, tous les chemins seront empruntés. Pernell ne comprend pas. Il y a des milliers de mondes, mais dans chacun d'eux, quatre hommes. Il fait naturellement mention de Richthofen, Takeo, Nikolai et Dempsey dans leur version primale et finale. Il explique qu'ils sont tous les quatre prisonniers d'un cycle, à chaque fois, qu'ils font toujours la même chose, sans cesse. Ils sont pris au piège dans des spirales qui n'en finissent plus. Ils ont beau essayer d'en sortir, de briser le cycle, mais le cycle finit toujours par recommencer, par reprendre depuis le début. C'est Samantha qui lui a raconté tout cela, ainsi que deux anges, Monty et l'homme de l'ombre, le Shadowman, qui vivent au-delà de toute l'existence et qui viennent lui parler dans ses rêves. Deux anges dotés de capacités hors du commun, qui maîtrisent l'espace-temps, et même plus. Ils viennent tous deux du même monde, d'Agartha, le monde de tous les autres mondes, un monde au-delà de l'existence, régi par les pouvoirs de l'éther. Selon Yuri, un jour, l'éther a corrompu un des mondes, et c'est de là d'où tout est parti. Il est clair que Yuri est extrêmement renseigné sur l'éther, et de tout ce qui s'en rapproche, qu'il en sait plus qu'on ne le pense. Ce qui intéresse fortement Pernell et ne le laisse pas indifférent. Yuri, c'est très important. Comment rejoint-on Agartha ? Pourquoi ? Vous entendez les voix, vous aussi ? Je veux une réponse. Ce n'est pas pour vous ! Ce n'est pas
aucun d'entre nous. Répondez à la question. Directeur, il faut interrompre l'interrogatoire. Ces constantes sont très irrégulières. C'est à moi d'en décider. Dites-moi comment y aller, Yuri. Je n'en sais rien. Et même si je le savais, je ne vous le dirai pas. Vous avez reçu la marque. Vous êtes maudit. Je l'entends dans vos pensées. Je peux la sentir. Sa corruption. J'ai vraiment tout mon temps, Yuri. Dites-moi ce que je veux savoir. Sortez de ma tête! La confiance! Qu'est-ce? Les enfants! Comment peut-on y aller? Vous n'êtes pas assez puissant pour pouvoir lui résister. Même si vous parvenez à vous élever, vous ne comprendrez pas ce que vous verrez. Ça vous détruirait. Docteur L, on va dire à Nicolas que les Yankees sont faibles. Il est mort, monsieur. Le dernier enregistrement est terrifiant. Pernell insiste de plus en plus pour savoir comment se rendre à Agartha, mais Yuri refuse de parler, car il ne sait pas comment y aller. Pernell continue à envoyer des électrochocs pour le décider à lâcher le morceau, mais il n'en obtient rien. C'est alors que Yuri s'écrie que Pernell est maudit lui aussi. Il sent que ce dernier a lui aussi été corrompu par les pouvoirs de l'éther. Il sent une malédiction en lui. Le directeur s'énerve de plus belle et renvoie des électrochocs encore plus longuement. Une dernière fois, Pernell pose la question ultime. Comment se rendre à Agartha? Et, dans un éclat de rire, Yuri se moque en disant qu'il ne pourra rien y faire, qu'il n'a pas les armes pour affronter ce qui l'attend, que ça le détruira. Un dernier électrochoc est entendu, puis Yuri rend l'âme, à bout de force. L'enregistrement s'arrête quand le docteur Hale diagnostique la mort de Yuri Zaïvoïski. Les enregistrements ne nous apprennent pas seulement que le voleur du Pentagone est mort dans Alpha Omega. Il nous montre aussi combien Pernell était obsédé par l'éther. Les bobines nous laissent également de multiples questions sur l'avenir de nos héros. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais il est clair qu'il y a des zones d'ombre quant à la suite des aventures. Rien n'est si sûr, et toutes les possibilités sont là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié, et à vous abonner à ma chaîne pour plus de zombies. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et à bientôt, c'était Dexter.